Salut, bienvenue chez moi. Je suis vraiment content des sensations que j'ai retrouvées. J'espère que c'est de bon augure pour la suite et que ça va continuer dans ce sens-là. Là, il y a la Coupe d'Europe qui arrive contre Leicester qui est une grosse pointure européenne. Et du coup, ça va nous changer un peu les esprits. Et il faut qu'on tente beaucoup et qu'on se régale. Un gros match dimanche, décompresser un peu, ça nous fait du bien et puis ça nous fait passer un peu de temps ensemble. Voilà, on peut discuter un peu de tout et de rien et surtout de rien et surtout pas de rugby. Ce soir, je vais recevoir le prix Gascon Panache du sportif de l'année. Étant donné que c'est un prix régional, ça me fait plaisir et c'est pour ça que je suis monté à Paris. Imanol Aridornoki, pierre angulaire du rugby français. Moi, j'étais là depuis l'origine, il y a déjà 6-7 ans. D'accord. Tu vois les hommes politiques faire des paquitos, enfin, c'est assez étonnant. Ah oui, on va rester un peu alors. Tu vois Juppé en train de servir la soupe. C'est mon vrai plaisir de vous remettre le prix Panache. En tant qu'ancien supporter du Stade Montois, je voudrais exprimer au Biarritz Olympique tous mes encouragements et puis vous encourager dans une bonne convalescence pour reprendre toute votre place dans notre équipe de France. Emmanuel, pour ton genou, il n'y a pas de meilleur soutien qu'un soutien de baïonnet. Alors écoute, voilà, on te souhaite bon rétablissement pour le Biarritz Olympique, pour le rugby et pour le plaisir des derbies, pour te retrouver en face et un jour on mettra la pilée, c'est sûr. Si vivante et si pleine d'antenne.